So there's a concept that has really becoming popular in the United States. I would say it's probably one of the most popular aspects right now in cover cropping. Donc ce dont il va parler, c'est vraiment quelque chose qui maintenant est très en vogue aux États-Unis en ce moment pour les personnes qui s'intéressent aux couverts végétaux. Something that is new and catching on. Quelque chose qui est voilà, novateur mais qui prend vraiment pas mal en ce moment. And it's interseeder is the interseeding. We're planting cover crops into corn that's knee high at this stage. Et c'est le concept de introduire un couvert végétal dans un semis de maïs qui est déjà né et déjà à hauteur de genou. Hein. Donc le maïs est semé, il est né, et là, entre les rangs de maïs, on implante un couvert végétal à ce stade. Now this is something that I have to give credit to the university, Penn State University in my state. They are the ones who discovered this concept. Et c'est l'université de Penn State en Pennsylvanie qui a développé cet itinéraire technique. So they're even building the cedars now, which I think I have pictures in the back, and they make them color blue because that's the university colors. Et ils ont même développé un semoir adapté qu'ils ont d'ailleurs peint en bleu parce que c'est la couleur de l'alma mater quoi de l'université, c'est le bleu quoi. Donc voilà, le semoir est bleu, hein. Semoir Penn State spécialisé. Yeah, so we plant the cover crops in corn this high. Put the seeds in the ground with special machine, and the idea is that the corn grows faster because it's ahead, and the cover crop just starts because it's underneath the shade. It just sits there over summer. It doesn't grow very much. Et le concept, c'est que le semis de couvert végétal est implanté, mais comme il y a pas mal de compétition à la lumière avec le maïs qui a déjà quelques métros d'avance, le couvert végétal naît, mais reste voilà à l'état peu développé et au frais hein, pendant l'été. So here's a picture where you can see how it looks as the corn is starting to dry down in the fall, starting to mature. We have our cover crop that we planted in June. This is probably in middle of September now. Et donc à gauche, c'est une photo qui est prise au milieu du mois de septembre et on voit l'aspect du couvert végétal qui a été implanté au mois de juin entre les rangs de maïs. So, like if we harvest the corn for silage, for corn silage, take the whole stalk off, if you can see here, the cover crop is already established. It's already growing. Et donc là, on voit l'aspect d'un champ qui a été un champ de maïs ensilé. Et au moment de l'ensilage, on voit le couvert végétal qui est implanté et qui est là, entre les rangs de maïs. So this can give us an advantage then of maybe 3 weeks earlier growth. Et ça peut, c'est une stratégie qui permet d'avoir l'avantage d'une précocité de 3 semaines par rapport au développement d'un couvert végétal qui aurait été implanté autrement. Donc c'est une technique qui permet de vraiment avancer la maturité du couvert végétal. So we talked about some examples earlier that some people are already doing of planting the cover crop while the cash crop is growing. This is another example of that. Et ça reprend un petit peu une thématique qui a été discutée par certains d'entre vous dans les exemples de ce qu'ils font chez eux, qui est l'idée d'avoir un recouvrement dans le temps et une superposition dans le temps de la culture de vente et du couvert végétal. Some of the concerns that people have is, well, that cover crop's taking away moisture and taking away nutrients from my cash crop. Et une des questions qu'on se pose quand on fait ça, c'est, voilà, y a-t-il un danger quand on a cette co-culture de la culture de vente et du couvert végétal, qui est une compétition pour les ressources en eau, bien évidemment, et des ressources en nutriments de la part du couvert végétal. Parce que voilà, il est là quand le maïs est en train de vraiment faire sa poussée estivale. The key to make this work is to wait until your cash crop gets tall enough that it'll stay ahead of it. Et l'élément clé quand on fait ce type de coplantation, c'est qu'il faut vraiment attendre que la culture de vente soit bien développée et qu'elle ait vraiment quand même bien de l'avance par rapport au couvert qu'on sème à ce moment-là pour que ça fonctionne. When I talked about this concept to other farmers, their first question is, well, how much yield do I lose?
Et une des questions tout de suite, quand ils discutent de cela avec des agriculteurs, c'est ben, moi je veux bien essayer, mais quelles vont être mes pertes en rendement si j'utilise ce type de méthode ? But we have found out that we're actually gaining yield. Et, by doing it. Et leur retour d'expérience avec donc les mesures qui ont été faites par les universitaires et les chercheurs avec lesquels ils travaillent, c'est qu'en fait, on ne, non seulement on ne perd pas de rendement en faisant ça, mais on gagne du rendement en faisant ça. So this is research done by Penn State University in 2013, and they had several different types of cover crops what they were testing. But as you can see, this is the control with nothing. It was either nearly the same or higher. Et donc là, donc c'est du travail qui a été effectué par l'université de Pennsylvanie, Penn State. Et à gauche, on voit une bande témoin de maïs sans couvert intercalaire. Et ensuite, à droite, on voit que si on implante du riz gras italien ou un mélange de légumineuses, voilà, on a à peu près les mêmes rendements. Mais que si on implante un mélange de légumineuses et de céréales entre les rangs de maïs, on a une augmentation du rendement qui est assez, it's very significant, qui est assez importante. Hein, l'augmentation, yes. Donc on passe de 170, non, c'était 170, is it, yeah, it's 170, right? 170 bushels per hectare. Oui, oui. Well, voilà, donc, figure that out, yeah, it was almost 10%. I couldn't see because of the writing. Mm-hmm. Donc c'est quand même une augmentation de 10% par rapport aux situations où il y a du maïs tout seul, sans couvert végétal interplanté entre les rangs. That was 2013. This past year, we don't have all the data from all the fields. This was actually 12 sites. This isn't one site. This is 12. Et ça, c'est des résultats d'expériences qui ont été conduits pas juste chez lui, mais sur 12 sites différents. Hein. Donc, c'est des moyennes des tests expérimentaux. And this is the 2013 fourth year. Et c'est, en 2013, c'était la quatrième année qu'ils faisaient ça. Donc, ils ont quand même pas mal de recul sur tout ça. So we're seeing promise with this practice. And then I'll just say that 2014, I did a lot of this on my farm, and I'd have to dig through here to find my data. But we also had benefits that are this much and better on my farm where I tested it. Et il connaît pas encore les résultats des 11 autres sites pilotes hein, qui suivent cette méthode, mais pour 2014 sur ses terres à lui, il a eu des augmentations de rendement qui sont supérieures aux augmentations qu'il avait vues en 2013. So the benefit of this practice is in areas, especially where like your area where the growing season is maybe a little shorter, you can get the cover crop planted. So it starts growing earlier and produces more biomass and more growth in the fall. It gives it a head start without hurting the cash crop. Et donc ça, c'est une méthode très judicieuse pour les zones pédoclimatiques qui sont plutôt froides avec des saisons un peu courtes, parce que ça permet de gagner quasiment un mois sur le développement du couvert végétal avant les froids d'hiver, parce qu'il a été implanté beaucoup plus tôt, puisqu'on parle de juin là. Hein. So this is becoming popular enough that there's several companies, companies that are starting to make machines to be able to plant the cover crops through the corn. Et c'est quelque chose qui voilà où il y a tellement de données positives et où ça se développe tellement, ça a tellement le vent en poupe aux États-Unis que là il y a plein de fabricants de machines quoi qui sont en train de développer de l'équipement spécialisé pour pouvoir semer ces couverts végétaux entre les rangs de maïs au mois de juin. And there are farmers who are making their own machines too to do this. Voilà. It's not that hard. You can test it very simply. You don't have to put the seeds in the ground. You can sprinkle them out on the soil broadcast. If it rains, it'll grow. But it's best to get them in the ground. Et qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui développent leurs propres machines pour semer dans un sillon de semis, c'est couvert, mais que vu les conditions chaudes de l'été et peut-être voilà des bonnes pluies, voilà selon l'eau disponible que vous aurez, il y en a même qui font à la volée entre les rangs et qui obtiennent des résultats tout à fait intéressants. For some people in small market gardens, like a lot of you have, they'll actually go through between the rows, either push something by hand or pull something with a horse or something to plant the seeds between the rows in small scale. It doesn't matter how big or how small you can do this. Et que c'est quelque chose, a fortiori, à petite échelle, c'est très réalisable, même sans équipement spécialisé. On peut pousser un semoir ou se balader entre les rangs et semer à la volée. That's again, comes an issue of, even in the white clovers, there's different varieties. And
That's the hard part sometimes of trying to find the right variety. That's what I do. That's my job. Mm-hmm. What I do is try to find the right varieties of a given crop. Now, in this case here, what's working best in the field corn is Crimson Clover and Hairy Vetch. Right. That works good. Mm-hmm. The radish works good. Et donc, en association avec le maïs, lui, il a fait beaucoup d'essais. Ce qui marche très bien, c'est le trèfle incarnat, la veste velue. You were saying crimson, le radis. Right, and we use annual ryegrass, which I haven't heard much about that here. Annual ryegrass is more of a grass. Yeah. We use it for a cover crop, but that works well. It can tolerate the shade. Ouais, et les riz gras italiens tolèrent aussi pas mal d'ombre. Et donc, ça marche pas mal dans son scénario à lui. Here's a picture of some of the best cover crops that we have found. The annual ryegrass, like a grass, like I said, the crimson clover and the tillage radish. But we like to mix all three together and seed together as a mix. Donc ça, c'est des exemples de couverts individuels qui ont été implantés entre les rangs de maïs. Donc le riz gras italien, le trèfle incarnat et le radis. Séparément, mais vraiment là, au bout de plusieurs années qu'il le fait, il pense encore une fois que c'est la combinaison de ces trois couverts ensemble, en mix, qui va maximiser les effets positifs du couvert végétal. But see, if you're a no-till farmer and you have some residue there, you're going to get the seeds through that in the ground. Here you can see the back, it's like the same thing you plant wheat with, mm-hmm. where it puts it in the ground, mm-hmm. the seed. Et du coup, quand on est quelqu'un qui travaille avec des couverts végétaux et qu'on a pas mal de résidus, au moment du semis de ce couvert, il faut trouver une méthode d'implantation qui permette que la semence soit en contact avec la terre. Hein, et donc, voilà, il y a des semoirs appropriés qui sont développés qui permettent d'implanter le couvert dans de bonnes conditions. The other thing too, if a farmer is a conventional farmer, he can add nitrogen at this time to the corn. Voilà, et c'est aussi un moment où si on est en agriculture conventionnelle, on peut à ce moment-là en profiter de ce passage pour rajouter un petit peu d'azote au maïs dans ce passage. Or if a conventional farmer, he can put a herbicide if there's any weeds to kill. Et s'il y a, et pareil, si on est en conventionnel et qu'on commence à avoir un petit peu de salissement à ce moment de la saison, ben on peut rajouter un petit peu d'herbicide aussi à ce moment-là si besoin. Here's another picture at corn harvest. This is at my place where we planted in June. Harvest the corn for grain and we have our cover crop growing there. Voilà, ça c'est un exemple chez lui où on a implanté le couvert végétal et on a récolté du maïs grain. Et à l'époque de la récolte du maïs grain, on voit un couvert végétal qui est déjà bien bien implanté en automne. Oui. Et là, quand on voit ça, justement, ça ne doit pas influer beaucoup sur la récolte de maïs, enfin, parce que c'est vraiment, il est tout chétif encore, il va se développer après, mais là on se demande comment il a pu faire 10 quintaux de différence. So he's wondering how, by implanting a cover crop in June, that's so young and not well developed, how you can so quickly see an impact on the yield of the corn just within a few months. We're trying to figure that out. Ils essaient de comprendre pourquoi. We think this, you know, we've talked about the diversity part and entering more biology. We do think that by having a legume in here that gives a little bit of nitrogen, which may help the corn. But I think it's the diversity, the biology, there's a synergistic effect happens. Obviously, our cash crop is here. We don't want to impede that, Donc, il pense que le rôle positif pourrait se jouer à deux niveaux. Le fait que, bien que le couvert végétal soit encore petit et peu développé, il y ait quand même un apport d'azote qui est disponible pour le maïs. Et aussi le fait que, justement, la diversité et la présence d'un racinaire à ce niveau-là, qui est peu compétitif pour l'humidité et les nutriments, voilà, favorise peut-être la mycorhisation du maïs, qui est une plante fortement mycorhisée. Voilà, peut-être que ça favorise ça. Ils ne savent pas encore. C'est justement pour ça qu'ils s'associent à des chercheurs pour essayer de comprendre le mécanisme d'augmentation des rendements quand on fait ça. Mais c'est net. I actually forgot I had this picture. This is in Germany. And this is the machine set up
Someone sent this to me because they know I know some people up there. They sent this to me. They put a seeder on here, and this is like a cultivator, like we were describing before. And he's putting the seeds right behind. This is in Germany. So I'm not sure where, but. Ouais, ça c'est une photo qu'un collègue allemand a envoyée, et c'est donc un cultivateur qui cultive donc entre les rangs de maïs et sur lequel un semoir a été adapté pour aller voilà semer. Au moment de la cultivation entre les rangs, de semer le couvert végétal à ce moment-là. Donc, il... And here's a picture of an American farmer who built by himself. He built something, put the cover crops in the front, and then he's putting nitrogen fertilizer in the back. So he built this to seed the cover crops, the same concept. Voilà, et là c'est un collègue dans le Midwest des États-Unis qui a conçu une machine pour implanter son couvert végétal tout en ajoutant son engrais pour le maïs à ce moment-là en un passage. Yes, okay, I had talked a little earlier, but I have a few slides here to show you about looking for crops, like our cash crops, that mature a little earlier as a strategy to allow our cover crops to grow. Have more time to grow. Voilà, une des choses dont on avait commencé à parler ce matin, c'est le concept d'utiliser une culture de vente qui a un cycle de maturité plus court, de façon à pouvoir l'implanter un peu plus tard et avoir le bénéfice d'un couvert végétal qui va se développer plus au printemps. Voilà, donc on va reprendre ce thème là. So we don't want to sacrifice the quantity of our produce, and that's why you just can't buy a or you just might you don't want to plant all short season potatoes or maybe short season tomatoes because they may not yield very good for the season. So you have to be careful in choosing which one to go a little shorter. Et que donc dans cette réflexion inévitablement vient la réflexion du fait que souvent quand on s'embarque dans des génétiques à cycle plus court, il y a un rendement qui n'est pas forcément aussi bien que sur les autres génétiques. Donc il faut voilà, vraiment réfléchir à ça. Il va nous en dire plus. So in this little diagram, I'm using some larger conventional or larger farmers combines here. But the point is, you see, if this is September and this is October, we go this way. If we can harvest our crop a little earlier, we can plant our cover crop sooner and then it gets larger. Before it goes into the winter. Voilà, donc l'idée c'est que si on a par exemple un maïs à cycle plus court, on le récolte plus tôt, on implante son couvert végétal d'automne plus tôt et que du coup au moment de l'entrée dans les froids d'hiver, bah, le couvert végétal est beaucoup plus développé. One day of growth in September may be worth 4 days in October. Et que dans son climat, un jour de pousse en septembre, c'est égal à 4 jours de pousse en octobre en novembre. So ou une semaine en novembre, pardon. So 4 jours en octobre, une semaine en novembre. The other thing is too, try to manage to get your cover crop planted as soon as possible. Don't delay. Et donc pour les couverts d'automne, c'est vraiment important d'essayer d'implanter le plus tôt possible pour bénéficier de ces chaleurs d'automne avant qu'on s'avance trop vers l'hiver, quoi. If we treat our cover crops like our cash crops, we always plant the first day we can, right? We're ready to go. Ah. Et que, voilà, les agriculteurs ont toujours le réflexe de planter leur culture de vente juste à la bonne fenêtre parce que c'est là qu'il faut y aller. Donc, on a ce réflexe-là qu'on n'a pas forcément pour le timing d'implantation d'un couvert végétal, alors qu'en fait, on devrait vraiment traiter le couvert végétal comme une culture à part entière et vraiment essayer de l'implanter au moment stratégique. So to maximize the benefits from the cover crop, you have to have the same thinking. As soon as I can plant it, I have to plant it. Et vraiment pour retirer voilà les effets maximal des couverts végétaux, il faut penser comme ça et pouvoir les implanter quand il faut au bon moment.